Depuis quand? Ok. Depuis quand faire de l'argent vaut 10 fois plus qu'un être vivant? Mais du point de vue du patron, c'est vrai, on est tous ressemblants. Je comprends pas, mais vas-y, explique-moi la vraie raison. Pourquoi à cet entretien d'embauche, tu prends les autres pour des cons? Depuis quand j'ai besoin de voir pour reprendre espoir? La tête vide, le gosier plein, seul devant l'urinoir. Ma copine s'est barrée, je suis célib dans mon 2 pièces. Et je vaux rien pour mes potes, comparé à Jacques ou à Daniels. Depuis quand on a des plans, des ambitions? Des étoiles tout plein les yeux, c'est comme un volcan en éruption. Mais dès qu'on réalise qu'on va sur nos 30 ans, on abandonne tout en se disant c'est normal, d'attendre bientôt grisant. Depuis quand? Je me souviens plus. Je reste là, doucement bercé par l'instru. Mélancolique, c'est vrai, mais frappant comme un coup de poing. Si vous me cherchez, revenez demain, je serai jamais très très loin. Depuis quand sur Snapchat, Facebook et tous les autres, on présente des vies qu'on fait que prétendre être les nôtres? Tout le monde se pousse, tout le monde se vante, et en même temps on se perd les yeux. Moi je les vois comme des malades qui voient que la rampe sans voir le feu. Depuis quand rester à terre est signe de faiblesse, où les larmes ne disent rien d'autre que malaise ou trop de stress? Du coup on se maquille, on se parfume, on sourit et on se tait. Les émotions négatives ont aussi le droit d'être acceptées. Depuis quand on pense à le regard avant de penser à soi? C'est super, je peux juger les autres sans connaissance, sans droit. Ça sonne bizarre, pourtant j'ai déjà dit la solution. C'est dans la strophe précédente que je réponds à cette question. Ça fait longtemps que c'est comme ça, du moins c'est ce qu'on dirait. Ou peut-être que c'est juste moi qui aime ruminer sans intérêt. Je suis pas fan de ce vieux proverbe, c'était mieux avant. Mais c'est qu'avec des vieux poids qu'on règle une nouvelle balance.